L'objet de cette leçon est de faire apparaître du texte dans une page d'HTML. Alors pour cela, nous allons reprendre par l'intermédiaire de Notepad Plus le petit programme que l'on avait fait précédemment. Vous vous souvenez, HTML, et on avait mis mon premier document. Bien, nous allons faire donc maintenant une petite insertion. Alors après la balise body, nous allons ouvrir une nouvelle balise. Et cette balise, nous allons par exemple mettre alors après la balise body, nous allons taper tout simplement les mots texte simple. OK. Donc, nous faisons fichier enregistrer sous. Donc, évidemment, nous allons changer le nom. Là, nous allons l'appeler texte. HTM toujours, ce qui est très important. Et nous faisons enregistrer. Nous allons chercher notre dossier. Un double clic sur ce nouveau fichier. Et voilà. Donc, notre nouvelle page vient de s'afficher. C'est toujours mon premier document. Texte simple viennent s'ajouter donc dans la partie d'affichage, c'est-à-dire entre les deux balises body. Bien, revenons sur Notepad. Alors déjà ici, nous n'allons plus mettre mon premier document, mais tout simplement texte. Et vous avez vu que le texte simple donc apparaissait avec une certaine police. Ici, nous allons découvrir une nouvelle balise, la balise B. Je mets donc à l'intérieur de cette balise ce que je désire afficher à l'écran. Texte en gras. Voilà. Je n'oublie pas de fermer ma balise. Fichier, enregistrer. Donc, je vais maintenant sous mon navigateur. J'actualise et vous voyez que j'ai maintenant non plus mon premier document, mais texte. Et que j'ai texte simple et à la suite texte en gras. Bon, c'est pas tellement joli que les deux textes soient l'un à côté de l'autre. On va essayer de découvrir une nouvelle balise que l'on va mettre à la suite de texte simple. Alors on ouvre cette balise qui va s'appeler BR et qui est le retour à la ligne. Alors cette balise BR n'a pas besoin d'être fermée, c'est une balise qui suffit à elle-même. Et voyons ce qui se passe. Fichier enregistré. On retourne sous le navigateur, actualisé. Et vous voyez que maintenant je suis revenu à la ligne pour mon texte. Continuons nos découvertes. Alors, on va mettre cette balise BR systématiquement. Donc, on va faire un petit copier-coller. Vous voyez que la balise, je ne suis pas obligé de revenir à la ligne, je peux la mettre sur la même ligne. Bon, ma balise de retour à la ligne se situe sur la même ligne que la B. Enfin, je vois que B, j'avais fermé, mais je n'avais pas mis B, ça fonctionnait quand même, mais il vaut mieux, pour la relecture après de vos programmes, faire les choses convenablement, c'est-à-dire bien mettre le B dans la fermeture de balise. Alors ici, nous allons ouvrir une nouvelle balise, qui va s'appeler la balise I. Et là, je vais mettre texte en italique. Et je ferme ma balise I. Fichier, enregistrer, actualiser.
Voilà, vous voyez que je suis revenu à la ligne et que mon texte est bien en italique. Alors, j'étais en italique et je voudrais être en gras et en italique. On va essayer d'aller plus vite, copier, coller, copier. Le copier-coller, c'est ce qu'il y a de mieux. Je prends ma balise B ici, copier, coller, et ma balise BR plus ma balise de fin de B, copier, coller. Voilà, donc on se résume. On a ici la balise gras, fermeture de la balise gras. En plus, balise italique, fermeture de la balise italique, retour à la ligne. Et ici, on doit avoir texte en gras et en italique. On va vérifier, fichier, enregistrer. Et bien, c'est ça. Voilà, donc vous avez découvert à peu près tous les caractères. Maintenant, on va découvrir des petites choses qui sont quand même intéressantes. Alors ici, par exemple, si je veux centrer le mot, donc je reprends par exemple cette ligne complète, copier, V, et je voudrais que cette ligne soit centrée. Donc on va enlever tout ça qui n'a pas d'intérêt. On va mettre centré. Alors que dois-je faire pour centrer? Oh, c'est très simple. Toujours le même problème et la même approche de travail. On ouvre une balise. Center. Copier. Coller, balise de fin. Voilà, j'ai rajouté donc une balise, fichier enregistré, actualiser. Ah, vous voyez que maintenant mon mot vient se mettre au centre de ma page. Alors, quelque chose aussi d'intéressant, c'est de vouloir mettre des caractères avec une dimension spéciale. Alors, on va découvrir de nouvelles balises. C'est la balise fonte. Alors que vous écriviez en majuscule ou en minuscule, ça ne présente aucun problème. Fonte cise égale la valeur. On va choisir 5. On ferme la balise. On met le texte que l'on veut afficher. Texte. Valeur 5 par exemple. Et on va donc fermer cette balise. Copier, copier, coller, fermer donc un slash. Et voilà. Fichier, enregistrer. Voilà. Vous voyez que mon texte a pris la valeur 5, il est plus gros que le texte sans caractéristique. On verra de ces valeurs plus tard ce que l'on peut choisir. Alors, si vous voulez maintenant mettre le texte en couleur, on va retrouver des choses qui ressemblent beaucoup. Alors, donc, je vais faire tout simplement copier, coller. Simplement ici, je vais rajouter une balise BR pour que les choses soient plus claires.
Alors, pour mettre une balise couleur, je vais remplacer size par color. J'ai pas mis color. Par contre, sa valeur, bon, je vous montrerai quelque chose d'intéressant plus tard. Là, je vais mettre le code hexadécimal qu'il faut mettre. Vous oubliez pas les guillemets. Et là, mon texte devrait être en bleu. Fichier, enregistrer. Voilà, mon texte est bien en bleu. Encore quelque chose à noter. Souvent, vous voulez faire des observations. Mettons, ici, on veut faire une petite observation quand on aura à relire son texte, mais quelque chose qui n'apparaîtra évidemment pas sur la page. Alors, on va mettre un point d'exclamation. Ensuite, on va rentrer trois points. Et à partir de là, tout ce que je vais écrire ne sera pas pris en compte dans ma page, mais pourra me servir, moi, de repère. Voilà, quand j'ai fini, je mets encore trois petits points et je ferme ma balise. Voilà, donc ici, si je fais fichier enregistrer, si je viens sur mon navigateur, vous voyez que je reste exactement identique à la programmation précédente, c'est-à-dire que cela me permet simplement de mettre un commentaire. Si j'avais voulu par exemple mettre ici, nous allons mettre en valeur la taille du texte et sa couleur, j'aurais pu mettre un petit commentaire pour préciser ceci. Nous avons vu tout à l'heure qu'il fallait indiquer des codes hexadécimales pour les couleurs. Je vous conseille un petit logiciel qui s'appelle ColorCop. C'est un sélecteur de couleurs. ColorCop est un logiciel gratuit et portable, donc sans installation sur votre ordinateur, et qui va vous rendre de grands services. Alors ColorCop, il identifie et représente les couleurs sous format hexadécimal. Il suffit de glisser la pipette sur une couleur pour récupérer son code. On va faire un petit essai. Donc vous prenez la pipette et vous allez sur une couleur, vous relâchez, et automatiquement cette couleur est capturée et son code vient s'inscrire dans la petite fenêtre qui est ici. Et plus intéressant encore, il a été, ce code, copié dans votre presse-papier. C'est-à-dire que si vous faites CTRL-V, combinaison des touches, vous récupérez ce code et vous pouvez le reporter sur n'importe quel document. Vous voyez, si on prend une autre couleur, alors vous pouvez sélectionner les couleurs directement ici, mais elles sont restreintes, ou vous servir de la pipette pour aller chercher la couleur qui vous intéresse. Dans tous les cas, CTRL-V, je récupère la couleur qui est dans la fenêtre directement par l'intermédiaire du presse-papier. Je peux aussi utiliser un complément, on clique sur perso, et vous avez ici une autre petite fenêtre qui apparaît dans laquelle vous pouvez créer vos propres couleurs.
Je veux créer par exemple un orange. Je clique sur la zone orange. Je sélectionne ici la couleur qui me convient le mieux. Et je mets donc ici ajouter aux couleurs personnalisées. Voilà, cette couleur a été sélectionnée. Je vais répondre OK. Et elle bascule automatiquement dans ColorCop. Et évidemment, son code apparaît. Et de la même manière, ce code, cet RLV, je le récupère. Vous voyez que ce petit logiciel va vous apporter énormément de possibilités et vous rendre énormément de services. Voilà, ben je crois que nous avons terminé la leçon concernant le texte en HTML.